C'est juste pour arriver. Voilà, voilà. Il faut baisser le 2. Voilà, merci à vous tous d'être là. On a apprécié votre film. Quelques mots d'amis sur votre film. Vous êtes qui même? Vous êtes d'accord. Ah, tu peux baisser le... Celui-là. Je peux le baisser un peu ou pas? T'es tout prêt pourtant? C'est bon. T'entends pas que c'est trop fort? Non. Ouais, t'entends plus. Chaque fois, tu mets tout à fond à chaque fois. Et tu mets trop fort. Mais... Voilà. Merci. Ah oui, celui-là. Bon, celui-là, on va le jeter. Mets de loin. S'il vous plaît. Alors, merci, bonsoir à tous. Désolé, on peut pas. Et bah, je voudrais. Merci d'être là, d'être venu dans la pièce. Qu'il y a... Il y avait tellement de succès. De... Pardon pour les gens qui sont derrière le poteau. Tout ça, on fait comme ça, on peut faire comme ça pour derrière les poteaux. Ça va, il y a les poteaux. Merci d'être aussi nombreux. Salut, bonjour, ça. On va y arriver. On peut ouvrir le rideau comme ça, non, c'est possible ou pas? On peut pas l'ouvrir. Salut, venez. Salut, vous nous rejoignez? Est-ce que c'est pas tout? Venez ici. Effectivement, c'était pas possible de l'ouvrir. Attends, je vais présenter mon équipe. Allez-y. Ça va? Le film vous a plu? Oui! Merci beaucoup. Voilà. Et merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, donc avec Cadmerad, évidemment, on peut applaudir Cadmerad. Le magnifique Cadmerad. Merci. Mon ami des Ch'tis. Bonsoir. Grâce à qui on a vécu vraiment une aventure magnifique. C'est vrai. Cad, il fait très chaud, tu peux ouvrir ta dodo. Non, je peux pas. Si j'ai mon ventre, ça se voit que j'ai du ventre. Et j'ai mon ventre qui sort. Bah t'as qu'à rentrer le ventre. Mais non, je peux pas rentrer le ventre. Pourquoi? Parce que là, si je rentre le ventre, ça me fait sortir le cul. C'est vrai. Non, ça me fait pas ça. Essayez. Okay. Non, mais j'ai fait froid, non? Il fait froid. Non, il fait pas froid. Pour un mois d'août en Belgique. Voilà, et puis évidemment, je voulais vous présenter, ben vous l'avez vu dans le film, c'est la première fois qu'elle fait un rôle principal dans un film, elle avait auditionné au départ pour un petit rôle, et je suis très heureux de l'avoir choisi pour le rôle principal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, elle s'appelle Alice Paul. Ouais, Alice Paul. Bravo Alice. Elle va dire un petit mot. Ah mais, oula, c'est fort. Merci beaucoup Alice. Merci. C'est très émouvant, hein, évidemment, de voir aussi nombreux et voilà, aussi souriants, aussi accueillants. Merci infiniment. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu ce rôle qui est magnifique et d'avoir eu de tels partenaires qui ont partagé leur expérience, leur succès avec voilà, toute la générosité rêvée. Donc je vous remercie, je suis très très heureuse si vous avez aimé le film et d'être parmi vous ce soir. Et voilà, et comme on va présenter aussi Danny Boone, notre metteur en scène, notre directeur d'acteur. Merci beaucoup. J'ai fait du mime automate à Mons. Bon. Oui, il y a un petit moment déjà. J'étais à Saint-Luc à tourner. Bon, ça, je suis fait avec du mime automate. Pardon. Ça va? Ça va très bien. Et non, j'avais un cop à Jean-Michel. Ah bon, à Froyenne. Non, j'étais à Froyenne et à Armanichin et j'étais à Saint-Luc et j'avais fait du mime automate à Mons dans une vitrine de magasin. C'est vrai, entre autres, dans la rue et dans une vitrine. Enfin, voilà, c'est pour la petite histoire avec Radio Intérim, qui était la radio libre de tournée. Ça n'existe plus? Non. Et évidemment, ça n'existe plus. Quelques mots d'Ali sur votre nouveau film? Ben non, ben voilà, peut-être... Effectivement... T'as fait une photo, c'est ça? Merci. Non. Ah d'accord.
on fait tout le monde en même temps. On va faire comme ça. Attends, on va enlever ça parce que sinon on voit. Donc, ah ouais, sinon on voit plus. Voilà. Quelques mots sur votre. On a vu Elio qui est beaucoup plus. Alors, non, ben voilà, c'est mon quatrième film. J'ai mis un an et demi à écrire le scénario. Et puis, ensuite, on a mis 4 mois à tourner. Voilà. Et ça fait 3 ans que plus rien n'a déclaré. Et je suis très heureux de voir qu'il y a toujours autant de monde en Belgique. Je suis ravi, parce qu'évidemment, je fais des études ici. J'ai vécu 7 ans en Belgique. Et j'étais ici, non pas pour des raisons fiscales, mais pour. Parce qu'à l'époque, j'avais rien. Mais c'est d'autant mieux, ça va être mon bullet. Et mon guitare, et c'est tout. On a dit. Cad, c'est toujours un bonheur de travailler avec Dany. Oh, s'il te plaît, oui. Avec plaisir. Ouais. Oui. Avec Dany. Oui. Ah, c'est fou, là. Bien sûr, puis surtout vivre ça, vivre cette tournée, parce que c'est un homme extrêmement apprécié, beaucoup en France, quand même, et en Belgique, il faut le savoir, surtout en Belgique, je trouve, vraiment. Et moi, j'ai l'impression que en Belgique, quand je viens en Belgique, les gens sont très sympathiques, tout ça, j'ai tourné beaucoup de films en Belgique. Oh, c'est vrai. Alors, moi, je remercie Dany de m'avoir introduit en Belgique, quelque part, parce que c'est grave. Oui, ça se dit. C'est tout à fait correct. Tu m'as introduit en Belgique, s'il te plaît. Tu m'as introduit en Belgique. Mais oui, tu te rappelles. Il faisait nuit. Voilà. Il t'a fait connaître. Il m'a fait connaître. Je vais découvrir. Et c'est vrai que depuis. On a tourné à Bruxelles. Il y a beaucoup de toutes les scènes intérieures à Bruxelles. En studio, sont en studio à Bruxelles. On a reconnu. Alice, une découverte, la Belgique, le public belge, Mons. J'ai beaucoup tourné à Bruxelles, voilà. Et j'adore. Et dès que je peux travailler ici, je suis très heureuse. Et en plus, je vois que c'est un sacré beau public. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de retourner ici bientôt. Voilà. Je vous le souhaite. Bonne continuation. Je pense qu'il y a un petit sketch. Je ne sais pas. Il est là. Comment tu t'appelles? On ne sait même pas comment. Geoffrey. Tu es né où, Geoffrey? Amos. Et tu es. Donc, comment s'appelle ta radio? Parce que Radio Antilles n'existe plus. Non. C'est la radio, la télévision. La radio ATLB. La télévision régionale. Télé comment? NB. NB. MB. MB. Bon, Borinage. Alors, on continue un peu l'interview. Oui, vous êtes hypochondriaque un peu. Non, à peine. Un tout petit peu. Mais bon, non, c'est surtout le film, c'est l'occasion d'utiliser effectivement mon hypochondrie, mais pour raconter une histoire, pour émouvoir et pour faire rire, quoi. Viens, il est là, viens. Il va te montrer son ventre. Vas-y. Viens ma chérie. Viens le voir. Où est-elle, madame? Laquelle? Il y a une fille qu'elle. Ah, elle est où? Lève la main. Mais c'est la tranquille. Alors ne commençons pas comme ça parce que après. Bon, nous on vous aime beaucoup. Donc, hypochondriaque un peu. Est-ce que vous savez nous refaire cet accent un peu Merci. C'est beau, alors quand je dis je t'aime à Alice dans le film, donc je lui dis... C'est beau, il y a pour lui. C'est beau, lui. Bon, ça veut dire poireau, en fait. C'est des légumes. J'avais une belle scène d'action, hein, tous les trois. Là. Ah oui, ah, c'est nous, hein. Allez, c'est nous, hein. Doubleur. Attends, non, ça on a souffert. On a avec l'explosion derrière et tout. T'as vu ça?
T'as vu comme c'est bon l'explosion hein, ça m'a brûlé la tête, dis donc. Okay. Regarde, il n'y a plus un cheveu. Ah, faut savoir que. Fais des cloques. Ah, Cade, faut savoir que sa calvitie a une histoire. Content. Sa calvitie a une histoire. Un thème. Car je mets, à chaque fois que je fais avec du bic, je mets à l'endroit où il a calvitie. Là voilà, ici en haut, là je vois bienvenue chez Ifki 2008. Et là ça descend. Là il y a les choristes ici devant. Là. Et là j'ai mis, on n'était pas dedans, mais j'ai mis quand même rien avec la rime. Et là tout derrière, maintenant je vais mettre au pic. Attends, laisse-moi prendre mon bic. Je vais mettre ici, voilà, comme ceci. Je vais mettre un super combien. C'est-à-dire c'est beau derrière, ça fait un V de vieux. En effet. Et bien voilà, en tout cas, vous êtes un énorme succès en France, dans l'extérieur belge. Que tout se passe bien, n'hésitez pas à revenir. On est très heureux d'être là. Et le film est plein de tendresse et d'humour comme la Belgique. Voilà. Merci Yannick. Merci à vous. Merci à tous. Salut Yannick. Et le film sort mercredi prochain. Faites-le savoir à vos amis et à vos proches. Très belle soirée. Bon retour, soyez prudents sur la route.